dans ma fenêtre composant, donc je retrouve quatre composants différents. Le premier, donc le cylindre, que je retrouve trois fois ici. Le rectangle, que je trouve trois fois aussi. Une rondelle, que je n'ai pas dessinée sur ma feuille. Et un triangle, que je retrouve une seule fois. Pour supprimer un composant de mon dessin, c'est très simple. Je clique dessus. Soit je fais effacer directement avec la souris, soit je clique sur la touche supprimer du clavier. Nous venons de voir comment supprimer des composants sur notre dessin. Maintenant, nous allons voir comment supprimer des éléments dans la fenêtre composant. Si je fais un clic droit dessus, le triangle, que je le supprime, il me demande, attention, toutes les copies seront supprimées. Donc si je fais OK, on voit bien qu'il vient de me supprimer mon triangle. Donc faire attention, quand on supprime un élément dans la fenêtre composant, ça l'efface aussi du dessin. Si dans la fenêtre composant, j'ai des éléments qui sont inutilisés, comme c'est le cas pour la rondelle par exemple, j'aurais pu faire clic droit, supprimer manuellement comme ceci. Donc s'il y a plusieurs composants, ça peut être un petit peu long. Donc pour cela, il y a un outil qui est pratique, on clique sur cette flèche, et on clique sur purger les éléments inutilisés. À ce moment-là, ça va nettoyer notre modèle ici. Et il ne restera affiché que les composants que l'on retrouve dans notre dessin.